blanchir. C'est ce que vous dites, la blanchir. La blanchir. Oh mon Dieu. Deux choses. La première, on ne blanchit pas une Cherokee. C'est hors de question. La deuxième, je ne trouve ces draps qu'à Santa Fe et ils sont hors de prix, ces draps, et ils ont besoin d'être nettoyés. Hé, si tu ne fermes pas ta grande gueule, je vais te tuer. Bon, alors écoute-moi, j'ai un déjeuner chez Hubert à 12h30 avec Ronald Harrison et j'exige que ces draps soient prêts en fin de journée. Et j'entrave que dalle ce que tu me racontes. Oh, c'est dingue. Vous êtes idiote ou quoi? J'en ai marre de ces imbéciles de blanchisseurs. Tu entends? Patrick? Salut, Patrick. Je me disais bien que c'était vous. Salut, ça va? C'est un peu ridicule de traverser la ville pour venir jusqu'ici, mais ce sont les meilleurs. Alors pourquoi n'arrive-t-il pas à enlever ses tâches? Vous pourriez essayer de parler avec ces personnes, je ne comprends rien, nous n'arrivons pas à nous comprendre. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est rien, c'est du jus de framboise et du jus d'aérel. Ah oui? Ce serait gentil d'essayer de parler avec eux, je vous jure que j'apprécierais vraiment. Je suis en retard, j'ai un important déjeuner chez Hubert dans moins de 20 minutes. Oh, chez Hubert, ils ont déménagé dans le centre, non? Oui, oui, c'est bien ça. Bon, il faut que je me sauve. Merci encore, Victoria. Peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble la semaine prochaine. Je vais souvent... J'en sais rien, Victoria, j'ai beaucoup de travail. Pourquoi pas un samedi soir? Samedi en 8? Oui. Oh, je regrette, je peux pas. Je vais voir Les Misérables, je suis désolée. Il faut que j'y aille. Je regrette. On se téléphone? Ok, on se téléphone.